Hey, 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 scucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooks the Beehive. Je vous ai quitté la dernière fois, on était sur le point de s'échapper. Enfin, sur le point. C'est un grand mot. Disons que j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à réunir quasiment mes protagonistes au même endroit. Avec Clio qui est ici, mais qui a pour but d'activer ce petit machin-là. Et puis qu'il faut qu'on aille là, enfin bref. Pour s'échapper, il faut qu'on aille ici, activer ça, Lobkowitz... Vu que c'est le seul qui pourra... Lui, on peut les... Ah, mais on peut le knack-up. Lui, on sera tranquille. Ah bah super, j'ai fait venir Rufus ici, donc il va le foutre par terre. Et on ouvrira la porte avec ça, parce qu'on a la clé de sécurité. Tac-tac. Bah c'est bien, les trois que j'ai besoin ici. Rufus mettra par terre celui-là pendant que... elle, requête, elle fera ouvrir la porte, elle fera ça. Et Lobkowitz viendra désinguer ça. Et après Cléo, elle viendra ici et on fera rentrer Lobkowitz qui activera ce machin-là, qui laissera tout ouvert, logiquement, si j'ai bien compris le principe du jeu. Et du coup, il faudra juste faire rentrer tout le monde ensuite. Oh putain, dit comme ça, ça sonne genre... Non mais en 2 secondes, tu l'as fait, cocotte. Bah ouais, bah... Pour y arriver là, ça avait quoi? Ça avait 3 épisodes que je suis dessus, une heure et demie. C'est pas si évident, quoi, parce que j'ai... J'étais persuadée d'avoir pris Bishop la dernière fois et en fait j'avais pas pris Bishop. Voilà, en plus j'ai pas accès à ces caméras là parce que... Ah ouais d'ailleurs, lui une fois qu'il est dans la... Ah là là, est-ce que j'envoie lui? Mais je suis obligée d'envoyer lui de toute façon. Bon, allez, on va se décider, je vais peut-être ramener Cléo. Non, elle peut pas encore. Elle peut pas encore et lui, il arrive. Bon, on va les laisser venir. Voilà, alors c'est faire un petit tour là, qui bouge un peu les gardes, parce que eux on pourra rien faire avec ces deux-là. Que dalle, ils sont méchants, ils peuvent pas s'évanouir tout ça. Là il regarde, lui il va regarder et dès qu'il se retourne, Cléo elle passera ici. Voilà Cléo, on y va. Cléo, tu peux venir là. Ce sera ton poste principal, ma belle, vu que t'es une rapide. Lui. Il regarde la porte. Dès qu'il regardera plus la porte, j'envoie... Ah ouais, mais je vais me faire choper quand même par les caméras. Oh, ça fait chier. Ouais. Lobko. Il va se faire... choper. Et dès qu'il aura désactivé la caméra... Voilà. Ah mais ouais, mais non... Merde, parce que lui, il va y aller... Il va la traiter en fait. Oh là là. Vous voyez, je découvre tous les jours des problèmes. Hein. C'est là, il va faire demi-tour, il va faire hé hey, vous là-bas, vous êtes qui? Voilà. Ouais, j'avais dit. Et il faudrait que j'envoie le puncher pile. Bon bah, c'est la cata. Oh non! Oh, ben j'ai pas eu le temps, ça c'est... j'ai pas eu le temps qu'il lui punch la tête. Ouais, c'est dommage. On va recommencer. C'est parti. Tu fais que celui-là. Et maintenant, toi tu es ready to come over here. Because, non. Oui. Non, toi tu vas là. Hein? Non. Là. Voilà. Hey, vous. Tu fais la caméra. Mais en fait... J'aurais dû faire bouger Lobkowitz. J'aurais dû faire bouger, en fait. Je l'ai laissé sur place sans rien faire et j'aurais dû faire bouger pour que l'autre bouge, continue à bouger. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Donc en fait, tu fais la caméra. Ouais. Toi, je vais te faire bouger. Salut. Ça va barder. Toi, tu viens là. C'est parti. Et tu vas faire, tu vas genre bouger, toi. Vaste. Hey,
Technicos, pareil. Merde! Bon, alors en gros, c'est pas possible. Je suis obligée de faire aller Rufus. Je vais faire ça, du coup, je vais changer ma strat. Je renvoie lui à l'intérieur. C'est con parce que je me suis déjà fait gauler par la caméra, mais bon. Ou j'envoie. Ou alors non, je sais ce que je fais. Tu fais les caméras. Et maintenant. Rufus, tu sors. Et tu le niques. Ça marche pas. Ah, c'est pas possible. Là, franchement, c'est l'épisode de la débandade. Et après, il en reste encore plein de missions. Comment je fais? Comment je fais? Retourne. Bah non, disons que t'es dans la caméra. Oh, punaise, j'arrive pas. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, il est trop lent et lui, il arrive avant, en fait. Donc, je laisse là et j'envoie directement. Vas-y, va lui casser la gueule. Au point où j'en suis. Voilà. J'attends. Voilà. Vous de toute façon, j'ai pas le choix, hein, les enfants. Donc. Hop. J'ai plus accès du tout à un terminal de caméra, si je comprends. C'est génial. Moi, j'ai un aimant, deux aimants. Hein. Je pourrais me réduire ma jauge, mais. C'est parti. Alors. Faut que t'ailles là. Et l'opco, faudra que t'ailles ici. C'est ça. C'est là, les caméras vont se remettre en route en fait, et ça me fait peur. Oh là là. Ça va. En fait. Et maintenant, tu vas revenir là, parce que j'ai pas d'autre choix. Elle va activer ce truc là. On fait quoi maintenant? C'est ça. Toi, tu vas rentrer. Toi, tu vas venir désactiver ça. Oh, ça y est, ça devient concret, mais bon, j'ai pas mis le. Ça, c'est essentiel. Hein. Je me disais bien qu'il manquait un truc rouge. J'espère que. Je sais pas où il va aller, mais. S'il va là. Oh. On verra. Ok, il a désactivé. Ça va être ta place maintenant à Cocotte. Oui. Cocotte des Bois. Je sais pas. Non, elle aura pas le temps. Tu vas te tenir prête. Mais. Ouais, les caméras sont déjà de nouveau en faction. Ouais. Toi, dans l'éventualité où. Va venir là. Voilà. Ça va, il rentre nulle part, donc on était safe. Dès que lui s'en va, elle va activer ce truc-là. Ce qui est chiant, c'est que les caméras elles sont de nouveau en faction. Ça me saoule parce que bon. Oh oui, ça fonctionne. Alors, faut surtout pas que je clique sur lui. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Ok! Voilà, maintenant. Faudrait que je refasse. Ouais, parce qu'à cause des caméras, en fait. Ouais, là, bah, c'est mort. J'aurais dû la faire rentrer avant.
Mais je vais me faire gauler, mais de ouf, en jour de danger, ça va être phénoménal, quoi. Mais là, ça va être mission, on retourne en arrière, parce que sinon, je me fais archi gauler par les caméras ici. Et la seule sortie, c'est là. Comme ça. Donc, voilà. Il n'y a rien, je peux rien faire. Hein. Au niveau caméra, il y a. Si, il y a ici. Et toi, t'as une clé de porte de sécurité. C'est une porte d'acier. Ah, mais il te reste une clé. Quelle clé tu pourrais ouvrir qui pourrait nous être utile? Celle-là. T'as pas un tuyau dans le coin, toi? Non. Bon. Dès que lui retourne à ses affaires. Alors? Alors, ben, on va retourner. On va retourner d'où tu viens. Toi aussi, tant qu'on y est, il y est pas. Ça devrait être bon. Il regarde là. Oh! Wow! Mais heureusement qu'ils sont aveugles à 2 mètres 2, parce que sinon, ce serait sympa, hein. Lui, il est parti. Bon, ça va chauffer, mais je suis obligée de la faire passer là parce que j'ai aucune. De toute façon, elle est obligée de sortir par cette porte-là. J'ai aucun moyen. Ah, je peux la faire passer là. J'ai aucun moyen, donc ça va monter de ouf là. Comme il y a deux caméras. Oh là là, je suis en rouge. Et hop, je suis repérée quoi. Je suis ravie. Ok, là. Non, c'est tendu. Je me suis prise trop tard pour les faire avancer. Par contre, elle va pouvoir bientôt aller là. J'aurai les trois ici. Voilà. C'est toujours ça de pris. Ils vont venir se dire bonjour là. Wesh, alors. Ouais, gros, ça va. Bon, ouais. Tranquille la nuit et toi. Ouais, tranquille aussi, ouais. Bah, dis donc, t'es toujours aussi chaud. Bah ouais, écoute. Les implants, c'est pas trop mon truc. Voilà, quoi. Bah. D'ailleurs, je suis en train de me dire, lui, il va pas voir que les portes sont ouvertes, il va pas s'inquiéter. Tout va bien. Toi, tu viens jusque-là. Attendez, parce que de toute façon. Ouais, si, il faut sortir par là. Donc sécurité d'aller dans cette truc-là pour se passer par là. Ouais, c'est tout un micmac hein, quand même. Hein. Et maintenant? Et maintenant, vous allez aller dans le couloir. Non, pas lui. Vous Elle. allez voir comme je suis. Oui, on ne sait comme t'es souple, ma cocotte. What? J'avais oublié qu'il se tournait. Oh merde. Ah mais là je suis morte. C'est pas grave. Je vais me faire arrêter et je retourne. Ah oui! C'est moi qui ai merdé. Oh punaise, je vous jure. Oh, je m'attendais. Oh, j'ai complètement oublié qu'il tournait le dos. Enfin, qu'il tournait le dos, qu'il se retournait. Ah, la nulle! J'allume tout! Abort! Abort the mission! Abort the mission! Ah non, j'étais pas comme ça, hein. Ils m'ont augmenté la jauge! Oh les enfoirés! Si j'étais comme ça, ouais, y a moyen. Putain. J'ai deux super aimants. J'espère que je vais pouvoir les utiliser assez rapidement au prochain niveau parce que. Allez. Ouais. C'est bon. Là maintenant c'est safe. Oh là là. L'épisode du fail. J'ai fait que de la merdasse. C'est-à-dire qu'une petite porte fêlée ici, ça aurait été beaucoup plus simple pour nous tous, hein. Voilà, ils sont tous ici. Et on va pouvoir tous sortir. Parce qu'il y a lui aussi. Alors? Alors, je veux. veux. Et maintenant? Et maintenant, vous allez là. C'est bon, non, je sais qu'il regarde par là. Oh! C'est tout juste Augustin. Alors.
Comme il y a le faisceau de l'autre qui arrive, vous allez tous... lui, il est où? Il revient. Non, 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 non. Ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien. Allez, allez. Voilà, tu vas rentrer. Hein. Va falloir la jouer safe. On va la jouer safe, hein. C'est bon. Lui. Quand il aura le dos tourné par là, on pourra rentrer. Ah, oh, c'est bon. Logiquement, je suis bien, là. Logiquement, je suis bien. Enfin, repérer, quoi. La jauge de danger, elle a jamais été aussi haute, quoi. Je me suis arrêtée je sais pas combien de fois. Mais bon, moi j'arriverai au prochain niveau. Et que ce niveau-là sera fini, parce que c'est un petit niveau, je suis sûre. Quand, je me souviens que ça allait être complicado, mais là... c'est pas de la complication, hein, c'est pire. Ouais. Tu vas pouvoir sortir, toi. Je veux. Moi aussi, je veux. Ça va barder. Puis il va regarder, là, donc faut pas trop se précipiter. Ne nous précipitons, ne se précipitaillons pas. Ça y est. Ta 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 ta. J'attends qu'ils soient tous rentrés là. Je suis à 27 minutes quoi. Ouais, tout c'est bien. Oui, tout va bien. Oui. Félicitations. Première partie de la mission. Fait, ben voilà. Pourquoi on a besoin de ces rapports? On sait déjà que la pierre de lune vaut son pesant de cacahuètes. Rappelle la livraison que Murray a reçue de la centrale nucléaire. On connaît son goût pour le bricolage. Tu veux dire qu'il veut utiliser la pierre de lune pour construire quelque chose? Ce n'est pas inconcevable. On récupère les rapports aux archives et dans le bureau du directeur scientifique, puis on descend. Ok. Et ben voilà. Alors, je peux vous dire que je suis un peu déjà dans la merde. Ouais. Parce qu'il y a déjà deux caméras. Regardez-moi, une erreur et je suis morte, quoi. Ah, j'ai quand même une pièce. Là, il y a quelques petits trucs à pouvoir... Il me faut un terminal de caméra. Ici. Parfait. Auquel je vais pouvoir y aller sans me faire gruger. On va pouvoir l'assommer, lui. L'homme est robuste, il résiste aux hommes, mais pas au point de fer. Ok, on pourra le mettre à terre. On a une clé. Donc, et on pourra utiliser mes aimants. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le lien YouTube dans la description pour me regarder des pubs et me donner un petit peu de quelques centimes sans que vous dépensiez quoi que ce soit. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de Crooks The Big Heist ou d'autres choses pour ma chaîne. Bisous, salut!